Um, it's very very important to win on Sunday after last week's result. I think it's important that we get back to back to winning as soon as possible. The last month we've been we've been inconsistent um, and last weekend showed that for the, the first 60 minutes very good and the last 20 minutes very bad so we need to we need to change this. Um, we have injuries and suspension, but we had injuries and suspension for the the premier 60 minutes. So it's the same team. We just didn't we didn't play well. The last 20 minutes, we decided to uh, slow down and and um, we made some some poor decisions, which cost us the game. I think we're fourth in the league. You know we've had we've had some problems. We've had injuries. We've had suspensions we've not played well and we're fourth so i think this this has to give us some confidence you know there's there's big improvements in us that's obvious you know you look at the squad we have we're, we're not at our potential yet but we're still in fourth position and we're not happy but we're still in fourth we're not the best team and we're not the worst team it's probably a, fourth is a good reflection uh, not many teams have been good this year. I don't believe Saint Helens have been okay, but not as good as before. I think this year a lot of teams have had a a part of the season where they've not been very good every team and and that's why we're still in fourth. I expect it to be tough, be difficult, but I feel like you know the only important thing in Super League is to be playing good rugby at the end of the season that's that's all it is you know teams teams can play well for the last month and win a grand final so we you know we're not we're not panicking we're not scared we understand we're not playing well um we're not playing where we want to play play how we want to play sorry but um, we're still in fourth and we've got some games coming up that we should win yeah we want to finish as high as possible we want to win every single week. You know, our objectives don't change. Um, we just understand that coming towards the end of the season, this is where now we've had a, an, a we've had a maybe one month where we've not been good. If we're good for the next month, we'll finish very high up and we'll we'll have a good chance. Um, I hate I hate to lose. That anything, I hate losing. I'm a terrible loser. I know that. I don't accept it very well. Um. Et perdre la façon dont perdu, ça fait plus compliqué. Donc, le Saturday était was, un was défi difficile à prendre. Oui, c'est sûr qu'en en ce moment, on ne réalise pas les performances qu'on aimerait réaliser. Je pense que ça fait uh, 4-5 matchs qu'on uh, voilà, ne joue pas notre meilleur jeu, on n'est pas à notre uh, maximum. Je pense qu'on a, on a beaucoup de potentiel, mais uh, je pense que c'est. Globalement, dans le championnat, on voit des, des équipes comme euh, Salford, des Leeds qui commencent à trouver leur momentum, et d'autres comme saint Helens, comme euh, certains clubs qui, qui perdent euh, des, des matchs qui ne euh, doivent pas perdre, un peu, un peu comme nous. Mais euh, voilà, le plus important, c'est d'arriver à trouver euh, notre, euh, notre momentum, notre, euh, notre façon de jouer, notre flow euh, en cette fin de saison, et surtout pour les playoffs, parce que c'est ce qui compte pour gagner ce titre, c'est la fin de saison. Je pense que ça nous, ça nous donne de l'humilité. Voilà, on sait que on peut perdre contre n'importe qui si, si on n'est pas prêt à jouer à 100% ou si on relâche comme, comme on l'a fait ce week-end. Mais, euh, mais voilà, ça, ça rend humble. Mais je pense qu'on reste confiant. On sait qu'on euh, a, on a beaucoup de talent dans ce groupe. Et si, euh, si, on, si on arrive à se trouver, si chacun est prêt à 100%. J'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse faire quelque chose cette année. Ce qui est frustrant, c'est que les 60 premières minutes, elles, elles sont bonnes et que euh, les, les 20 dernières, euh, tu, tu complètes pas et, et ça te fait mal à la fin, tu, tu, tu lâches alors que ce genre de match, tu dois jamais les perdre et c'est très frustrant. On veut juste analyser ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon parce que notre objectif, c'est. Euh, c'est de, de rebondir la, la semaine d'après la saison elle ne s'arrête pas après la défaite euh, voilà on sait que la saison elle est pas finie et euh, il faut il faut aller chercher euh, ce qui reste à chercher donc euh, euh, non non on se, on se laisse pas abattre par, par cette défaite et, euh, et on n'a qu'une envie c'est de mieux faire euh, la semaine d'après tous les matchs vont être importants maintenant euh, on veut finir le plus haut possible dans le classement donc euh, chaque match euh, compte et, euh, et peu importe euh, qui on joue il va falloir le prendre euh, très au sérieux que ce soit euh, le bas du classement le haut du classement peu importe de toute façon euh, comme je l'ai dit dans ce championnat si tu n'es pas prêt à, à jouer un match à 100% mais tu, tu peux le perdre donc euh, on se prépare euh, euh, du mieux qu'on peut et euh, concentré à 100% et déterminé pour, pour ce week-end je pense que ça va faire du bien d'être tous ensemble euh, en groupe, je pense qu'on a besoin de, de ça en ce moment, de, de se retrouver entre joueurs, de, de passer du temps ensemble. Et euh, cette semaine en Angleterre, ça va être l'occasion de faire ça. Et, euh, et voilà, je pense que c'est positif pour le groupe. Donc, euh, je, il me tarde de passer cette semaine avec tous mes coéquipiers. Non, ça va aujourd'hui. On a fait une bonne séance euh, basée un peu sur euh, un peu de compétition, donc ça nous a permis de nous retrouver un peu de plaisir à, à être ensemble. Donc, non, ça va là. On a, je pense qu'on a passé le. On n'a pas tourné la page et on se concentre sur le futur. Parce euh, que l'équipe, après, des fois, a des moments faibles, des temps faibles, des temps forts. Euh, voilà, on a eu un temps fort pendant 60 minutes contre Leeds et les 20 dernières, c'était un temps faible. Voilà, on on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, on sait que maintenant, il faut qu'on revienne sur le droit chemin pour Wakefield. Voilà, ce qui nous a pénalisé contre Leeds, c'est qu'on n'avait pas besoin de marquer plus d'essais. On avait juste besoin de conserver le ballon et c'est ce qu'on n'a pas fait. Et du coup, Leeds en a profité pour pour attraper au score. Euh, non, pas forcément plus de pression que, que d'autres, parce qu'il reste quand même encore 5 six matchs, je crois, avant euh, avant la fin pour être bien classé. Donc ouais, c'est les deux matchs en Angleterre vont être importants. Donc, mais on prend un match après l'autre. Ouais, ça peut être bien de rester en, en, en groupe, juste nous ensemble, donc on, on verra comment ça se passe, parce que ça fait un moment quand même, on n'est pas resté une semaine tous ensemble. Donc voilà, après, chacun a, a ses habitudes, on se connaît tous, donc euh, ça va faire du bien quand même qu'on se retrouve tous ensemble.